Chant Yasna Hat e Le bien, le mal et la liberté de choix. A présent, je m'adresse à vous, ô chercheurs de la sagesse, et à vous, ô les sages, pour vous parler des deux principes fondamentaux. Que mon admiration s'adresse à Aura et à la pensée juste, ainsi qu'à la sagesse et à la justesse pour que vous rencontriez la lumière et atteigniez la joie et le bonheur. Ainsi, avant le grand événement du choix, écoutez les meilleures paroles et étendez l'oreille, et regardez avec les yeux de la sagesse et avec discernement. Chacun de vous, homme ou femme, choisira l'une de ces deux voies. De ces deux principes fondamentaux qui ont été conçus comme jumeaux et qui naissent dans la pensée, l'un représente le bien et l'autre le mal. Entre ces deux, le sage choisit le bien et l'ignorant le mal. Et lorsque, dès l'origine, ces deux principes fondamentaux se sont rencontrés, ils ont créé la vie et la non-vie. Ainsi, jusqu'à la fin des temps, les disciples de la justesse atteindront la meilleure existence et les disciples du mensonge ne la connaîtront point. De ces deux principes opposés, le disciple du mensonge choisira les pires actions, alors que celui qui va vers les meilleures pensées satisfait Ahura Mazda en choisissant la justesse et en persévérant pour l'atteindre. De ces deux principes fondamentaux, les disciples du mensonge ne choisiront pas la justesse, car, durant le choix, le doute dominera et les dirigera vers les pires pensées en ouvrant les portes de la colère qui détruira leur existence. Et à celui qui choisit la voie juste, la force de la justesse et la pensée juste en harmonie avec le pouvoir de la maîtrise de soi, viendront vers lui, ouvrant le passage à la sérénité qui éclairera son monde intérieur. Une telle personne est le disciple de ton chemin, car il est sorti victorieux de l'expérience du choix. Et lorsque les mal-pensants seront punis par leurs actions, à ce moment, ô Mazda, ta lumière les éclairera par la pensée juste. Elle leur apprendra à se libérer du mensonge et à se diriger vers la justesse. Que nous soyons de ceux qui, à chaque instant, renouvellent et embellissent le monde. Toi, Ô Créateur de la justice et de la sagesse, qui dans le rayonnement de la justesse nous a offert le bonheur, fais que nous développions notre vision du monde et nos croyances dans la lumière de la sagesse et de la juste connaissance. Car c'est avec de telles connaissances que nous vaincrons les forces de la tromperie, et avec la persévérance et la renommée que nous prendrons place dans la demeure de la pensée juste et de la justesse, devenant un avec Mazda. Au moment où vous comprendrez l'application de ces deux principes du bien et du mal qui ont été établis selon la volonté de Mazda, vous verrez que le bonheur éternel sera pour le juste alors qu'une longue peine sera pour le trompeur.